90. Putain, quelqu'un répondait. Je poursuis à pied jusqu'au point de ralliement. 23. Ah, la 6ème escouade est tombée dans une embuscade. Je suis le seul survivant. Et je continue à pied jusqu'au point de ralliement. Il y a quelqu'un. Point de ralliement. Point de ralliement. Soldat Irad, 3ème détachement, 6ème escouade. Je suis le seul rescapé de mon escouade. J'étais en reconnaissance quand ils ont attaqué notre chimère. Ils sont tous morts brûlés là-dedans. L'empereur les garde. J'ai même pas vu combien ils étaient, je me suis tiré tout de suite. Et maintenant, je me retrouve tout seul au milieu de ce merdier. Et ça fout vraiment les jetons d'être tout seul. J'ignore pourquoi l'empereur Dieu m'a protégé. J'espère en être digne. La retraite a été déclarée avant-hier. Il était temps. Parce qu'on n'était pas assez nombreux face aux peaux vertes. Maintenant, je rejoins le point de ralliement à pied. Ici. Je pense y arriver demain soir.
moi maintenant. Par le trône. Hier, j'étais miraculé. Et là... J'y comprends rien. Je vais attendre les renforts. Ouais, ils abandonneront pas cette planète, ça c'est sûr. J'ai qu'à me cacher en attendant. J'irai du côté des montagnes, là où il y a moins d'orques. Finalement, je serai pas le plus malheureux. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu ici. J'ai été élevé dans la tour Prima de la ruche Gentine 2. Mon père était assembleur dans une usine de tablettes Cyberdata. Et donc bien sûr, après la Scolam, je suis devenu assembleur à ses côtés. Il m'a tout appris. C'était un brave type. Mais je sentais que je voulais pas rester comme lui sur cette planète. Après 4 ans, ils ont levé un régiment pour la garde impériale. Je me suis inscrit le premier jour de la conscription. Par le trône, ce que j'étais fier. J'allais enfin pouvoir quitter cette vie de chien, et en plus pour être au service de l'Empereur. Voilà. C'est mon dernier message. J'ai été repéré par des orques. Ils sont sur mes tracés. Je suis sûr qu'ils sont dans le coin. Finalement, je vais y passer. Mais cet enregistrement restera. Il portera l'histoire d'Irad, garde impériale 3-6-8. Je me rends compte à quel point rien n'a de sens. Ni ma vie, ou ma mort, ni cette guerre, ni rien ici-bas. Miséricordieux empereur de l'humanité. Que votre majesté soit sanctifiée. Que votre lumière éternelle nous illumine. Accordez votre protection à votre serviteur en cette heure. Accordez-lui de combattre à vos côtés dans l'au-delà. Que l'humanité triomphe à jamais. Puissiez-vous nous guider jusqu'à la fin.